Un nombre grandissant d'athlètes féminines se plaignent des femmes transgenres nées hommes qui investissent leur discipline en raflant toutes les médailles. Oui. À 6 mois des JO de Paris, nous recevons une d'entre elles. Bonjour madame. Salut. Enfin, vous n'êtes pas une athlète. On vous a reconnu. Vous êtes John Rambo. Pas John, Jennifer Rambo. Ah d'accord. J'ai changé de genre. Merci de respecter mon choix. Pardonnez-moi, je n'étais pas au courant. Alors, bienvenue Jennifer. Dans quelle discipline allez-vous concourir? Au lancer de marteau. Et en ce moment, je m'entraîne pour les Jeux Olympiques de Paris. Il paraît que j'ai mes chances pour la médaille d'or. Évidemment, avec tous vos muscles, vous n'avez aucun mérite de gagner face à des femmes. Ben ça, par exemple, c'est de la transphobie. Oh, vilaine. C'est pas parce que je soulève 200 kilos en développé couché et que j'aime bien regarder le foot à la télé avec une bonne bière que je suis pas une femme. Non mais halte au cliché cisgenre. Dans ce cas, que répondez-vous aux sportives qui vous accusent d'avoir changé de genre uniquement pour devenir numéro 1 dans votre discipline? Mais c'est des commérages de bonnes femmes, enfin. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors ça, vous voyez, c'est une réponse très masculine. Transphobe. Voilà.